C'est quoi dans le noir? Toi qui paies ma lumière. Le garçon est mignon. Le garçon est mignon. Le garçon est mignon. Franchement. Voilà une femme. Voilà une femme qui est dans une manipulation hors pair. Les gens l'utilisent. Les gens utilisent cette femme pour la visibilité. Les gens utilisent cette femme pour le tribalisme. Les gens l'utilisent pour tout. Franchement, les Camerounais, vous valez pas la peine. Vous valez pas une. Il va vous insulter ici, hein, je vous jure. Vous prenez une femme comme ça qui est en train de déprimer. Vous l'utilisez pour la visibilité. Vous l'utilisez pour les vues, vous utilisez cette femme pour la haine. Vous n'avez même pas honte. Une bande de minables, franchement. Vous voyez une femme qui vous savez que l'endroit où elle a parti, ça, il faut l'amener en cicatrice parce que elle pète déjà un câble. Hein? Vous voyez quelqu'un avec autant de haine, de méchanceté, au lieu de chercher. Vous pensez que ce qui peut calmer la femme, c'est aller dans les bars? Une personne qui se met sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens, pour calmer une personne comme ça, c'est aller l'amener boire des bières. C'est l'amener danser. Jamais. Ça lui fait pas du bien, ça. Ça la soigne pas. La preuve, c'est que elle est toujours en train de continuer à ça. Son problème, c'est son comportement. Non, 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 non. Vous voyez, une femme, elle est malade, vous profitez d'elle. Parce que les Camerounais sont en train de l'encourager. Parce que les Camerounais sont en train de l'encourager dans ses dérives. Et maintenant, les gens profitent d'elle. Tous ces gens qui la regardent profitent d'elle. Ouais, elle est là comme une guignole. Elle vous amuse. Vous regardez quelqu'un en train de mourir. Elle insulte une tribu. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait tellement plaisir que non. Pour qu'elle insulte encore les gens, il faut l'inviter. Il faut l'inviter à aller encore la mettre bien pour qu'elle continue d'insulter les gens. Pourtant, la meilleure manière de solliciter, la meilleure manière d'aider cette femme, c'est lui faire arrêter son comportement et c'est lui apporter un raisonnement au lieu de lui donner l'alcool ou bien de l'amener, je sais où. Pourquoi vous êtes méchant comme ça là? Pourquoi vous êtes méchant? Vous regardez cette femme, elle fait pitié. Hein? La personne qui lui fait du bien doit l'amener à l'hôpital, qu'elle aille consulter, parce qu'elle pète un câble. C'est pas l'amener boire des bières. Quelqu'un qui met un mauvais commentaire là-bas, je le bloque jusqu'à il ne veut même plus voir sa tête. Là où il faut amener cette femme, c'est qu'elle aille consulter parce qu'elle pète un câble. Elle n'a plus de vie, elle est sur les réseaux sociaux tous les jours. Ça ne l'aide pas d'aller lui donner de l'alcool. Ça ne l'aide pas de l'amener ou à gauche ou à droite. Moi, je vous dis ça. Parce que là où vous l'amenez là, vous l'amenez pour la visibilité, parce qu'elle va aller faire la clown. Vous allez profiter d'elle pour faire les lives et pour avoir une visibilité. C'est méchant. Hein? Vous l'amenez simplement parce qu'elle est là maintenant comme une clown. Il faut profiter d'elle. Et comme elle insulte les Bamileke, tous les tribalistes là, ils aiment ça. Tous les tribalistes qui n'aiment pas les Bamileke, ils aiment son discours. Donc on l'encourage, c'est direct, ils sont partagés. Il y a des gens. Hein? Elle a besoin d'aller à l'hôpital, consulter parce qu'elle n'a plus de vie. Elle n'a aucune vie. Depuis qu'elle est entrée du Cameroun, elle fait 20 directs par jour. Vous croyez que vous l'aidez? Hein? Quelqu'un qui va l'aider va lui dire d'arrêter les réseaux sociaux et voilà, de profiter, confisquer son téléphone. Mais elle n'est pas malade, franchement. Écoutez-moi les conneries qu'elle n'est pas malade. Vous savez le nombre de directs que cette fille fait par jour? Quelqu'un, toute sa vie, s'est allumé le téléphone, la personne est en santé. Vous êtes normaux, voilà ce que vous suivez, hein?
Il y avait 1700 personnes tout à l'heure en train d'écouter. Vous écoutez quoi? Il raconte quoi? Je regarde ça. Vite fait, j'ai pitié d'elle. J'ai pitié d'elle. J'ai pitié de vous qui l'encouragez à faire ça. Vous pensez que qui ne peut pas profiter d'elle? Hein? Pensez que je ne pourrais pas allumer le téléphone, je commence à la clasher pour avoir les vues là? Je la clash pas. Quelqu'un qui. On est en Europe. Si, si elle perd son appartement, elle va vivre où? Si elle perd son appartement, elle perd l'appartement dans lequel elle vit, elle va vivre où? Vous savez dans quelle difficulté elle va se retrouver là? Elle ne travaille pas. Hein? Moi, j'ai amené. Quand elle insulte les Bamileke, moi, j'ai amené mes amis Bamileke manger chez elle. J'étais avec mes amis aujourd'hui qui me disent, mais. Du Camer. Mais tu nous as amené manger chez cette femme. Regarde comment elle insulte les Bamileke. Les gens que j'ai toujours amenés, parce que moi je mange qu'avec les Bamilikas en fait. Les gens que j'ai amenés manger chez elle étaient de quelle tribu? Vous croyez que c'est normal ça? Quand vous êtes une personne juste, quand vous êtes quelqu'un, une personne publique, tu vois la femme en train d'insulter une tribu et tu associes ton image à elle, c'est quel degré d'hypocrisie ça? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es une personne publique camerounaise, personne publique, ah y a celle-ci, je vais l'effacer là, qui me raconte des bêtises là. Attends, je te bloque d'abord même. Voilà. Hein? Il y a des gens en train de l'encourager. Oui, insulter les Bamileke, insulter ça. Moi, c'est toujours. Quand même les Bamileke qui insultent les quoi, moi, je les condamne. Ne venez pas me la jouer du camel, supporter les Bamileke ou quoi que ce soit. Je suis une personne que même quelqu'un, tu insultes les quoi, je viens te dire tes vérités. Tu insultes qui tu veux te dire tes vérités. Mais moi, je vous dis, arrêtez de profiter de cette femme. Elle a une visibilité parce qu'elle fait la folle. Elle se déshabille sur la toile. Elle insulte les gens. Et les gens ne font que profiter d'elle, de sa visibilité. Hein? Tout le monde sait, pour faire du bien à cette femme, il faut qu'elle aille consulter. Parce qu'elle, là où elle est là, elle est bipolaire, elle va pas bien. Même ses enfants l'ont fui. Comprenez? Même ses enfants. Regarde-moi les enfants, ces enfants-là qui regardent leur mère en train de devenir folle comme ça là. Qu'est-ce qu'ils font? Non, franchement. Vous êtes dégueulasse, hein. J'ai jamais vu un peuple aussi comme ça, là. Vous profitez même de quelqu'un qui est malade. Hein? Depuis que vous êtes en Europe, vous n'avez pas vu les gens qui commencent comme elle. Ils marchent sans caleçon, mais elle a un pas de majeur poil. Elle se déshabille en ligne. Ses enfants sont des enfants qui n'ont. Moi, j'en veux à ses enfants. Hein? J'en veux à ses enfants. Quels sont ces enfants qui vont aller leur mère en train de devenir folle? C'est pour ça que moi, je vous dis que, gars, les mounas, les enfants qu'on fait ici en Belgique, ça vaut pas la peine. Hein? Les gens sont en train de l'exploiter. Tous les gens autour de cette femme exploitent son image. Elle a une forte visibilité. Parce que les Camerounais l'encouragent dans la dérive. Hein? Une personne normale tient les propos qu'elle tient. Quand tu écoutes son live, il faut être Dieu. Il faut être vraiment méchant pour dire que tu encourages ce qu'elle dit là. Quand quelqu'un regarde le direct de cette femme, comment elle insulte les Bamileke, et puis quand elle me dit que non, vous ne pouvez pas écouter ce qu'elle dit là, toute cette méchanceté sur une tribu, tout ce qu'elle raconte sur une tribu. Hein? Non, mais c'est terrible. Moi j'ai mal, je vous emmerde, gars. Et la personne qui va me tenter dans l'histoire, c'est veut lui dire ce que je veux, ce que je n'ai jamais dit à personne. Pourquoi vous êtes aussi méchant? Non, mais jusqu'à vous mettez même les cœurs. Vous regardez ça, vous mettez même les cœurs. Non, my God. Regarde-moi ce qu'une autre salope vient m'écrire même là où c'est précis là. Elle veut te bloquer d'abord. Moi, je ne veux pas les gens qui viennent me casser les couilles dans mes lives. Elle vous a dit ça. Parce que vous êtes des merdes. Toi là, où c'est précis quoi. Tu peux pas prendre ta maman, elle vient sur Facebook, faire ce qu'elle fait là. Hein? C'est quel genre de vie ça? C'est qu'elle fait là, c'est une vie ça. Jusqu'à l'autre vient me dire que elle est même où là, je la bloque même sur mon live. Et ben bravo, il y a sorti, non? Vous n'avez pas honte? Il y a sorti, tonton. Quand vous regardez cette femme là, c'est qu'elle fait là, vous êtes camerounais, vous êtes fiers de ça? Hein? Quand vous regardez les lives, vous êtes 1700, vous partagez ça. Vous affichez. Elle insulte les gens, vous appréciez. Elle peut avoir les problèmes avec les lolos, les machins, c'est son problème. Mais avoir les problèmes avec les lolos,
ne lui donne pas le droit d'être en train d'insulter un peuple. On ne peut pas accepter ce tribalisme qu'elle fait là. Je ne suis même pas déjà d'accord avec une autre forme de tribalisme. Mais vous la laissez faire, vous médiatisez ce qu'elle raconte. Et tous les haineux profitent. Tous les haineux bamiphobes qui regardent ça, ils sont fiers. Cette femme n'a pas besoin d'aller boire les bières. Elle a besoin d'aller consulter un psychiatre. Elle ne va pas bien. Je vous le dis sincèrement. Hein? Vous profitez de ça. Parce qu'elle insulte compulsivement. Mais moi, j'ai amené les bamiliqués manger chez elle. Vous qui vous ouvrez vos sales gueules là, vous êtes parti manger chez elle. Comme moi qui ai amené mes amis bamiliqués manger chez elle et j'entends insulter les bamiliqués, je n'ai pas honte. Moi, j'ai amené les gens, j'ai envoyé des centaines de personnes manger chez elle parce que je voulais l'aider. Aujourd'hui, elle se met là, elle insulte les mêmes bamiliqués et je vais rire. Je vais rire. J'ai ramené 10 personnes manger chez 10. On va là-bas, on mange pour lui faire la recette. Elle dit que les sales bamiliqués, tu es malade à la tête. Les clients que j'ai ramenés chez toi, ils étaient doux. Mais vous pensez que moi, je parle de ça, pourquoi? Moi, j'allais chez elle manger avec des gens. Merde. Moi, les gens que j'amenais chez cette folle-là manger, là, ils étaient de quelle tribu? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une blogueuse, vous encouragez ça. Vous dites qu'elle fait du bien. Il faut arrêter ça. On ne va pas jouer à l'hypocrisie, ici, là, sur Internet. Tu es blogueur, tu es blogueuse, tu es hypocrite. On va te dire que tu es une hypocrite. Et le tribalisme que vous voyez là sur Internet, c'est une affaire de... Les blogueurs le font d'une manière subtile. Beaucoup de blogueuses qui n'ont pas le courage peut-être d'insulter une tribu font ça techniquement. Il faut arrêter ça. Hein? Arrêtez ça. Demandez à cette folle-là que les gens que Dukamé a ramené chez elle étaient de quelle tribu. Elle a fait les Misunga pour qui? Ma soeur qui est en Suisse, qui lui a envoyé 120 euros pour acheter la mission qu'elle n'a jamais livré, était de quelle tribu? Elle n'a aucun droit d'insulter les bamiliqués, cette femme-là. Elle n'a aucun droit. Les clients, les gens qui achetaient sa nourriture, hein, étaient de quelle tribu? Oui, ils sont là, ils encouragent. Vas-y, la veuve, on t'aime, continue comme ça. Hein? On t'aime, vas-y, continue comme ça. Et moi, un peuple malade. Et quand... Qu'elle fait ces conneries-là, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux là-bas à encourager, vous encouragez les conneries. Tous les gens, les tribalistes là, vous êtes parti chez elle acheter quelque chose. Tous les gens qui utilisent l'image de la femme là pour gonfler leur vue et pour gonfler leur monétisation. C'est malsain de faire ça. De prendre une femme comme ça, l'utiliser pour gonfler sa monétisation. Ce n'est pas de l'air de ça. Cette femme a besoin d'être conseillée. La personne qui va réussir, elle lui dit d'arrêter sa sale gueule-là. Et une personne qui va l'aider. Voilà. Elle n'est pas de voyage prêt. Elle est en Europe. Elle peut se payer des voyages. Elle peut se payer tout ça. Mais c'est une femme qui... C'est une femme qui parle mal aux gens. C'est une femme qui escroque les gens. Elle escroque les bamiléqués. Elle vient insulter les bamiléqués. Vous ne pouvez pas être d'accord avec ça. Si un Camerounais n'est pas choqué par les propos de cette femme, si un Camerounais n'est pas choqué quand il entend cette femme, si quelqu'un n'est pas choqué quand il écoute la fille là, déjà de par sa vulgarité, par sa tribalité, tu écoutes, hein? Merde. Dekoma Mungu, tu veux dire que tu es d'accord avec ça? Tu sais pas de quelle récupération tu me parles, Dekoma Mungu. Tu me parles de récupération de quoi? Hein? Moi, je suis allé manger chez cette femme avec des gens. Tu me parles de récupération. Je sais pas de quoi tu parles de récupération. Moi, je te parle de la vérité. Parce que moi, je suis choqué de ce qui est en train de se passer. Non. Cette femme agace déjà énormément les gens. Et moi, je parle sincèrement. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Voilà. Quand tu écoutes son live, elle est en train d'insulter. Depuis qu'elle dit les sales bamiliqués, elle dit ça. Est-ce qu'on doit dire ça sur Internet? Est-ce qu'on doit tenir des propos comme ça? Dekoma Mungu, je vois que tu es en train d'être contre le fait que je suis en train de parler de ça. Donc ça veut dire que toi-même, tu es d'accord avec ce qu'elle raconte là. Mais moi, je te dis que les clients, les gens que j'ai ramenés manger chez elle étaient des bamiliqués. D'accord? Les gens qu'elle a escroqués, il y a ma soeur qui est en Suisse. Qui envoie l'argent pour acheter ses misunga. Les clients qui achètent sa nourriture sont bamiléqués. Elle va fermer sa sale gueule sur les bamiléqués. Voilà. Parce que tout à l'heure, je viens d'une veillée d'un ami qui est un gars chan. Un gars que j'ai amené manger chez elle, qui me disait ça tout à l'heure, ça m'a encore énervé. Mon ami,
qui me disait, mais du camé, tu nous as amené manger cette femme-là. Regarde ce qu'elle est en train de dire sur nous. J'ai eu honte. J'ai ramené des gens plusieurs fois aller manger chez elle. Elle ferme un peu sa gueule. Elle respecte les gens qui ont eu à lui donner de l'argent. Et les gens encouragent ça. Les gens encouragent. J'ai dit c'est encourager ça parce que tu ne peux pas associer ton image à quelqu'un qui est tribaliste ou qui est raciste. Hein? Nous sommes en France. Lorsque quelqu'un est raciste, lorsque quelqu'un commence à être raciste, tu ne peux pas associer ton. Quand tu associes ton image à un tribaliste, ça veut dire que tu acceptes ses idées. Hein? Merde. Il veut dire que les blogueurs camerounais, là, arrêtez un peu, vous jouez avec le tribalisme en fait. Je vous jure sur la vie de ma mère que moi je ne suis pas concerné par les histoires tribales. Mais beaucoup de blogueuses et de blogueurs sont en train de. Ils sont dans un tribalisme subtil. Et c'est vous qui voulez inciter les Camerounais à la haine tribale. Les blogueurs là, c'est vous. Vous faites ça. C'est-à-dire que quand. Et vous utilisez les gens comme la veuve joyeuse pour promouvoir la haine. Hein? Donc, des comme tu veux y aller la supporter sur ça. Sur la partie là où elle insulte les Bamiléké, que tu veux la supporter. Parce que tu me dis pourquoi tu me parles d'un truc là. Merde. Parce que c'est une nouveauté que pour chez nous. Et que les blogueurs là, arrêtez le tribalisme subtil. Arrêtez d'être des tribalistes masqués là. Vous faites comme si vous n'êtes pas tribaliste, mais au fond, vous utilisez des gens pour promouvoir la haine. Vous comprenez, hein? Voilà, là, je bloque ça. Non, 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 non. Moi, je vous jure que. Mon frère, Dekomamogou, moi, je te parle. Ne me dis pas que j'ai pas. Peut-être tu penses que quand tu m'entends parler là, que je suis là, je parle pour que quelqu'un me regarde ou je parle pas pour les vues. Je parle parce que c'est sérieux. Et je vous ai dit que moi, c'est que vous êtes dans le game sur Internet, je passe dans le game. Je suis un mec, quand il prend mon téléphone, je parle de vérité. Cette fille, l'image est utilisée pour. On l'utilise pour faire tout ce mal qu'elle est en train de faire là. Tu comprends? Voilà. Peut-être vous êtes sur Internet, que vous voulez que les gens vous regardent. Moi, quand j'allume mon téléphone, je suis même dehors. Là où je peux parler fort, là. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague que je fais, là. J'ai dit à cette fille que les Bamiléké sont entrés dans sa maison, ils lui ont acheté sa nourriture pour l'encourager. Qu'elle enlève le nom des Bamiléké dans sa bouche. Et moi, j'ai dit, je suis contre le fait que les gens l'utilisent pour promouvoir leur page. Pour la commercialisation de la monétisation. C'est malhonnête de faire ça. Elle, cette femme, en ce moment, est une femme qui donne une très mauvaise image. Voilà, c'est une femme qui donne une mauvaise image du blogging camerounais. Et je suis le président des blogueurs. J'ai dit non, je condamne ce qu'elle est en train de faire là. Je condamne les gens qui l'encouragent. Qu'elle aille se soigner, qu'elle aille à l'hôpital. Voilà, que ces enfants la récupèrent, on l'amène à l'hôpital. Parce que elle doit consulter, elle doit arrêter Facebook. Mais vous parlez de quoi, mon frère? Vous l'encouragez quoi? Moi, j'encourage pas ça, moi. Et quand je parle, c'est parce que je pense que ça pourrait être ma tante, ça pourrait être une sœur. D'accord? Elle est là, écoutez. Donc, moi, je vous pose une question. Quand vous entendez cette fille parler là, quand vous l'entendez parler, ça vous choque pas? Quand vous entendez ce qu'elle dit là, vous êtes content de ça? Nous sommes Camerounais, nous devons lutter contre. Nous devons lutter contre toute forme de haine et de tribalisme. Mais ce qu'elle fait là, ce qu'elle fait là, non, ça me fait pas rire. Hein? Ça me fait pas rire. C'est que la fille a fait ne veut pas rire. Et moi, j'ai dit tous les gens qui la prennent pour associer leur image. Tous les gens qui traînent avec elle, encouragent son tribalisme. Parce que quelqu'un peut pas m'expliquer que tu marches avec la veuve et tu es d'accord avec son discours. En Europe, c'est pas ça. On vit dans un pays dans lequel, lorsque quelqu'un prend la haine, si tu associes ton image à quelqu'un qui insulte, qui prend la haine, toi-même tu es dans la haine. Alors, si vous êtes dans, affirmez-vous que vous êtes dans la haine. Affirmez votre tribalisme une fois. Dites que je suis tribaliste. Moi, sur la vie de mes trois enfants, dont les mères ne sont même pas camerounaises, mes enfants, mes mères ne sont même pas camerounaises, j'ai rien à faire avec votre tribalisme là. Comprenez? Ça ne sert à rien. Voilà. Et parce que vous, c'est un blogueur, vous n'avez pas le courage de parler. Moi, je ne fais pas. Peu
peu importe le blogueur que tu es, j'ai tes mots, je t'ai dit tes mots. D'accord? Voilà. Et moi, je dis que... Oh. Voilà, pour ceux de l'Ouest, je suis exactement en train de dire que les gens sont en train de se servir d'elle. Les gens se servent d'elle pour promouvoir leur haine. Les gens se servent d'elle pour faire leur monétisation tranquille. Voilà. J'ai toujours dit aux Camerounais que quand on veut être blogueur, il faut avoir un contenu en fait. Ne venez pas être faire la sauvagerie pour vous attirer le public. Même si tu n'as pas assez de visibilité, il faut avoir un bon contenu. C'est la guerre, la lutte contre... Les gens écrivent de ces choses, putain. Non, mais elle mérite qu'on signale toutes ces pages. Moi, je suis chaud, je signale ces pages. Parce que c'est qu'elle est en train de faire là. Hein? C'est une femme en train de prôner la haine. Elle insulte une tribu. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter ça? Mes amis, pourquoi on doit accepter ça? C'est pas possible. Non, 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 non. Arrêtez ces conneries, là, frère. Arrêtez ça. N'encouragez pas la femme à faire ça. On ne peut pas être des Camerounais. On a sur Internet une Camerounaise qui est en train de promouvoir la haine, la méchanceté. Hein? Vous devez arrêter ça. Mais il n'y a pas le jeu. Elle amuse. Là, cette fille est en train de péter un câble. Elle est en train de péter un câble. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous dire que vous pouvez pas nous expliquer ici que vous écoutez la veuve. Elle insulte un peuple, elle insulte les gens. Vous dites que non, non, ça vous regarde pas. Arrêtez ça. Hein? Moi, je dis aux Camerounais que la personne qui veut gagner l'argent sur Facebook, que la personne ait un contenu. Mais il ne faut pas venir utiliser le tribalisme pour avoir du contenu. Il ne faut pas venir utiliser la haine pour avoir un contenu Facebook. C'est que nous, sur Internet, nous allons combattre les gens qui veulent utiliser la méchanceté pour avoir la visibilité. Et la veuve Joël, en ce moment, fait partie des personnes qui divisent les Camerounais. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Comment les gens peuvent supporter ça? Hein? Dans quel pays au monde quelqu'un se met comme ça, là? Même si vous êtes tribaliste. Hein? Même si tu es une tribaliste, est-ce que tu dois venir en public raconter ça? Hein? Ça, c'est quoi, ça? Comment on peut encourager ça? Comment quelqu'un peut être bien, ça? Je vous ai dit que les clients... Moi, j'allais dans son truc, là. Putain. C'est pourquoi il dit que les Camerounais, vous êtes tous les villages. On vit en Europe. Nous vivons en Europe là. En Europe là, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Tu prends ton téléphone. Tu crois que tu... Même quelqu'un qui est déjà bien fou là, ne fait pas ça. Tu prends le nom du Nevi dans ta bouche. Oh, c'est Bamileke. Oh, c'est machin. Oh, c'est Bamileke. Mais franchement... On peut construire un pays avec ce genre d'idées là. On peut construire un pays avec ça. Quand vous laissez quelqu'un faire ça, si quelqu'un veut être même tribaliste, il garde ça pour lui. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Une femme se met à poil, une maman comme ça là. 46 ans. 46 ans, elle se déshabille devant les gens. Vous regardez. Hein? Personne ne dit même que ça peut être ma fille, ça peut être ma tante. Tu peux regarder quelqu'un de ta famille qui fait ce qu'elle fait là. Hein? Tu peux regarder un membre de ta famille. La femme là est folle. La femme là est tribaliste. La femme là est méchante. Tu comprends? Plus jamais. C'est-à-dire que je ne crois pas que je peux voir cette femme. Je la salue encore. Je n'associerai jamais mon image à une femme comme ça là. C'est trop de méchanceté. C'est abusé. Mais qui vous a dit... Pas possible.
Qui vous a dit qu'on a le droit? Qui vous a dit qu'on a le droit de dire des choses comme ça? Hein? Qui vous a dit qu'on a le droit de rester sur Internet et insulter un peuple comme ça là? Hein? Qui vous a dit que c'est normal? Même si tu es tribaliste, garde ça pour ta mère, frère. Même si tu n'aimes pas les Bamileke ou tu aimes les Bamileke, garde ça pour toi. Tu n'as pas le droit de venir sur Internet et prôner ça. Ni l'inverse. Que ce soit insulter l'Inkwa ou insulter tout le monde. C'est votre, gardez ça pour vous. Tu n'aimes pas l'Inkwa. C'est ton problème. Tu n'aimes pas les Bamileke. Garde ça pour moi. Venez, venez en faire une propagande. Hein? Venez faire une propagande. Venez sur Internet parler de ça comme ça là. Ça ne vous choque pas? Vous n'êtes pas choqué par ça? Mais faites au moins semblant, faites au moins semblant d'être mauvais, faites au moins semblant. Même si on aide quelqu'un, arrêtez les aides là. Si on aide quelqu'un, ça peut être discret. Sur Facebook, quand vous aidez quelqu'un, c'est pour vous faire voir. Calmez-vous, gars. Une aide rendue publique. Une aide. Hein? Une aide qu'on rend publique, c'est simplement pour se faire voir. Quand j'ai perdu ma mère, là, il y a une dame là qui m'a donné 2000 euros. Est-ce que quelqu'un sait? Elle m'a dit, ne dis à personne. Hein? J'ai perdu ma maman. Il y a une dame, elle m'a dit, du camel, je t'envoie 2000 euros. Elle me suit seulement. Elle m'a donné 2000 euros. Mon billet d'avion a été payé par un gars aux États-Unis. L'aide, laissez les aides de Facebook. C'est pour se donner une image. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qui insulte quelqu'un qui prône le tribalisme. Hein? On ne peut pas aider quelqu'un qui insulte les gens. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Vous aidez une personne comme ça, vous êtes d'accord de ses propos. C'est ce que ça transmet. Hein? Si vous aidez une personne qui insulte les Bamileke, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'elle insulte les Bamileke. Si vous aidez une personne qui insulte ses sœurs, vous êtes d'accord avec ça, c'est un discours. La personne a... Donc vous récompensez la personne pour son discours haineux. Et moi, je ne peux pas encourager ça. Je ne peux pas encourager ça. C'est même mieux d'aider la personne discrètement. Aider la personne, mais on ne sait pas. Donne-lui l'argent derrière. Ne viens pas publiquement dire que cette personne-là, j'aime ce qu'il fait. Arrêtez. Les Bamileke n'achètent pas les choses de tout le monde ici. Si tu viens maintenant, la veuve insulte les Bamileke. Et toi, tu dis que tu soutiens la veuve. Hein? La veuve qui insulte les Bamileke ne sont pas tes clients. Où c'est. Comment on appelle même celle-là? Où c'est Alette la fleur? Quand vous prenez. Quand tu viens. Tu prends la peine de venir dans. Voilà. Une aide qu'on aide quelqu'un publiquement, tout le monde doit savoir que tu as aidé. C'est pas une aide ça, c'est la propagande. C'est pour laver son image. Hein? Quand tu viens donner l'argent à quelqu'un publiquement, tu as donné l'argent. Tout le monde sait. Mon frère, tu m'as pas aidé. Tu m'as donné pour te faire voir. Il y a des gens ici, des Camerounais, ils peuvent te donner même 10 000 euros, personne ne sait. Hein? C'est quand j'ai perdu ma mère que j'ai compris que les Camerounais sont gentils, gars. Les Camerounais m'ont tellement aidé. Les gens que je connais même pas. Voilà 1000 euros, voilà 500. Les gens donnent. Ils voulaient même pas que les noms sortent quelque part. Arrêtez ça. Cette femme est folle. Cette femme est malade. Elle a besoin d'aller à l'hôpital. Voilà son diagnostic. Son diagnostic, c'est aller se faire soigner. Voilà, parce qu'elle est prône à CDN. Et les tribalistes qui n'aiment pas les bamiphobes, ceux qui n'aiment pas les bamileke, profitent d'elle. Hein, l'utilisent. Ils s'en foutent de sa santé, en fait. Les gens s'en foutent de sa santé. Les gens l'encouragent. Les gens l'encouragent à venir tenir des propos haineux. Quand Wops, vous faites ça. Vous voulez la pousser à la mort. Quand Wops a été ce qu'elle a été ici, là, ce sont même les qui sont occupés d'elle. Ce sont tous les Bamileke même qui ont tout payé. Hein? Moi, je n'aime pas l'injustice, en fait.
Je supporte pas cette manigance tribale. Parce que j'appelle quoi la manigance tribale? Parce que beaucoup de blogueurs sont dans ce truc. Au fond, ils peuvent pas tenir des propos tribalistiques, mais ils le sont. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont des blogueurs là, ils jouent à ce truc là. Ils font semblant. Donc ils vont passer par la veuve joyeuse. Il faut les voir dans les commentaires de la veuve joyeuse. En train de dire la veuve joyeuse, on te soutient. Hein? Continue. Il dit, parle des blogueurs qui jouent à ça. Quand vous voulez savoir la vraie pensée d'un blogueur, il faut voir quand il commente. Il commente. Parce que lui-même, les gens soignent leur image, mais au fond, ils ont de la haine. Non, Edgar, je m'indigne de deux côtés. Hier, j'étais en direct Edgar, je m'indigne de deux côtés. Ah oui, je m'indigne de deux côtés. Parce que le tribalisme, il y a ça de l'autre côté. Moi, j'étais avec, comment on l'appelle, Betty le Camille en direct pour parler du tribalisme. Et j'étais justement en train de dire à Betty le Camille que j'accusais Betty le Camille d'être tribaliste hier. On discutait. Frère. Je ne peux pas condamner ça. Un vrai Camerounais connaît qu'il y a ça des deux côtés. Hein? Mais Edgar, quand tu vois cette femme, parce que ça touche déjà sa santé, tu comprends? Quand tu la regardes là, elle fait 10 directs par jour. Elle est déjà atteinte. Je pense que quelqu'un doit lui dire de se calmer un peu, tu vois. Cette femme, elle est touchée. Je ne sais pas si... parce qu'elle s'est rentrée de chuter les Bamileke, ça plaît aux gens. Elle a chuté les Bamileke parce que ça la touche. Ça la touche physiquement. Et puis après, ce n'est pas que je suis le défenseur des Bamileke ou quoi que ce soit. Je m'indigne tout simplement. Je ne suis pas l'avocat des Bamileke. Elle va insulter les Bamileke, ça va rien enlever sur les Bamileke. Il faut arrêter de croire que si la veuve insulte les Bamileke, ça va leur enlever quelque chose. Hein. Non. Moi, je me plains de sa santé. Vous croyez que parce qu'elle va insulter les Bamileke, ça va changer quelque chose sur les Bamileke? Bon, rien du tout. Mais vu que nous défendons une image d'un Cameroun uni, nous sommes sur Internet, nous sommes des blogueurs, il faut parfois être capable de dire la vérité. Hein? Tu es quelqu'un qui dit que tu aimes le Cameroun, tu peux venir promouvoir la haine d'un côté. Frère. Hein? Tu dis je suis blogueur et tu supportes le tribalisme, mais c'est pas compatible. Il y a les bétiphobes, il y a les bétiphobes. Quelqu'un dit comment on appelle? Il y a les bamiphobes, il y a les bétiphobes, il y a des gens qui n'aiment pas les bétis, il y a les bouloufobes. Ben, il y a de tout ça, c'est entre vous. Hein? C'est entre vous parce que il y a une dame là, il y a une dame qui a fait un direct là. Il y a une dame qui a fait un direct là. J'ai aimé des parties. Il y a les parties où elle parlait bien. Où elle disait que, mais les gars, vous donnez l'impression qu'au Cameroun, il n'y a que deux tribus. Il n'y a que les Bamileke et les Béti et les Boulou. Hein? Mais le Cameroun, c'est 200 plus 200 tribus. C'est clair que d'autres tribus qui vous voient faire ça. C'est une moquerie. Edgar, moi, je sais comment tu es quelqu'un qui aime vraiment le Cameroun. Hein? Je sais que tu es quelqu'un qui aime le Cameroun. Mais cette haine-là, tribale-là, qui est de deux côtés, parce que je vous dis que c'est de deux côtés, parce qu'il ne faut pas que les... Le problème aussi dans la dénonciation du tribalisme, c'est pas parce que je suis en train de dénoncer la veuve qu'elle a juste des Bamileke que peut-être que certains Bamileke vont m'apprécier. Et lorsque je vais dénoncer Gamnou, des tribalistes, ils vont dire non. Donc, de toute manière, moi, je m'en fous de ceux qui jouent à ce jeu-là. Moi, tu es tribaliste. Bamiphobe, je te dénonce. Tu es tribaliste, bétiphobe, je te dénonce également. Et je te dénonce sincèrement parce que mon frère, moi je vis en Europe et je connais l'injustice. Je connais la discrimination par rapport à la couleur de peau. Je l'ai tellement vécu de ça. Peut-être que vous, ça vous dit rien. Vous vivez en Benin, vous n'avez pas encore vécu le racisme en fait. Moi, ça me gave que les Camerounais, qu'un Camerounais soit discriminé parce qu'il parle une langue. Moi, je suis quelqu'un qui a Boza. J'ai fait la route. Et quand je faisais cette route-là, j'étais avec tout le monde. On parle de la veuve joyeuse, Edgar Minesto. J'allais manger chez la veuve joyeuse. Peut-être toi. Edgar,
peut-être tu es bêtis. Depuis que la femme est dans le restaurant, je ne sais pas si tu es déjà parti l'encourager. Edgar Menasto, tu es bêtis. Parce que les bêtis, même, ont une habitude, ils n'aiment pas encourager leur soeur. Je vous dis que quand les clients de la veuve Joyeux, la plupart, quand tu entends Papy de Longchamp, il est quoi? Papy de Longchamp est Bamileke, il n'allait pas manger chez la veuve. Hein? Les gens qui ont encouragé la veuve, là, c'est beaucoup plus de Bamileke. Papy de Longchamp qui ramenait les tonnes de personnes, qui, il était le premier à me ramener là-bas. Hein? Après, moi, je suis allé manger là-bas. J'ai ramené des amis qui sont Bamileke. Donc, je ne peux pas sourire avec elle. Quand je l'entends raconter des bêtises sur une tribu, la tribu qui l'a soutenue en plus. Hein? Je ne peux pas, on ne peut pas prôner ça. Ça nous avantage en rien. Même pour quelqu'un qui... C'est pourquoi je dis que le tribalisme, c'est une affaire des vauriens. C'est pour les vauriens. Hein? Le tribalisme, c'est pour les vauriens. Quelqu'un qui sait qu'il va faire des affaires, quelqu'un qui sait qu'il il a besoin de tous les Camerounais pour ses affaires. Un commerçant ne peut pas être dans le tribalisme. Quelqu'un qui est dans une bonne activité peut pas être dans le tribalisme. C'est une affaire des vauriens. Hein? C'est des fainéants, c'est des fausses filles qui ne foutent rien de leur vie, qui viennent là insulter les gens. Edgar, la veuve Joyeuse dans son restaurant là, les clients étaient qui? Les clients étaient qui dans son restaurant? Moi j'ai ramené, on parle de Papy de Longchamp, on parlait de moi. Hein? On parlait des clients, les clients qui venaient là-bas c'était les qui? C'était les graphies dans son fucking restaurant là. Moi j'ai ramené plein. Vous-même là, aujourd'hui qui soutenez la veuve là dans le tribalisme là, est-ce que vous l'avez soutenue un jour dans son commerce? Hein? Vous voulez la voir mourir? Vous la voyez déprimée? Vous la voyez? Vous voulez l'enterrer? Taron Gono dit être Bamileke est une injure. Non, je suis désolé. Mais il ne s'agit pas de ça. Lorsqu'on dit les sales Bamileke là, c'est quoi ça? C'est des compliments, Taron Gono? Parce qu'on ne dit pas seulement Bamileke. Tu penses que les Bamileke, quand je parle, j'ai des noms de tribalisme, c'est parce qu'on a dit Bamileke. Non. Quand on dit les sales Bamileke, les hypocrites, on accompagne ça avec des adjectifs discriminatoires. Hein? Pareil, lorsqu'on dit bêtis, c'est pas insultant. Mais lorsqu'on dit les bêtis, les mangeurs d'argent, les vendeurs de terrain, lorsqu'on tient les propos comme ça, c'est ça qui est mauvais. Peut-être que tu es insensible à tout ça, Caron Gonon. Peut-être que quand la veuve Joyeuse est en train d'insulter les gens, ça te dit rien. Moi, je comprends. Voilà. Je comprends que beaucoup de tribalistes ne sont pas dans la construction de l'unité nationale. Ils ne sont pas pour un Cameroun uni. Donc, ils sont pour un Cameroun de leur tribu. Parce que le tribaliste, en fait, lui, c'est sa tribu avant l'État. Nous sommes pour que tous les Camerounais soient respectés et respectueux de la nation, en fait. Voilà. C'est pas la tribu qui prime sur l'État. C'est ça que je prône, moi. Hein? Nous sommes pour que quand on se retrouve, nous, que nous sommes des Camerounais. La tribu, comme la religion, c'est une affaire privée. Voilà, mon village, tout ça, voilà. C'est une affaire privée. C'est ça que je prône. Et moi, je dénonce les comportements qui peuvent ramener la division entre les peuples. Parce que ce qu'elle fait, vous simplifiez ce qu'elle est en train de faire. Vous simplifiez ce que la femme l'a fait, puisqu'elle a une forte visibilité, elle a même une grosse visibilité par rapport à moi. Hein? En dehors des vidéos que je fais, en matière de life, Lozanga, tu m'as insulté dans les commentaires pour venir dans mes directs. Moi, je ne crois pas, vous êtes des sorcières. Tu ne peux pas avoir insulté quelqu'un et il est en live, tu viens dedans. Tu comprends? Tu penses que si Lolo est tribaliste, je vais l'encourager, moi? Tu penses que je suis partisan? Hein? Donc tu penses que je parle de la veuve parce que si Lolo ou bien Fleur de Lille tient des propos de tribalisme, moi je vais y supporter. Tu me connais pas, moi. Tu me connais pas. Tu penses que quelqu'un m'a fabriqué sur Internet? Tu penses que si j'ai peur de parler de quelqu'un parce que je vais disparaître? Je suis quand même à près de 141 000 abonnés sur ma page. Malgré que la page soit restreinte. C'est pas une fabrication de quelqu'un. Peu importe la personne, je lui dirai. Je ne suis pas sur la toile pour plaire à une tribu. Foutez-moi le camp. Je suis pas pro-tribu.
de quelqu'un, je suis pro Cameroun. Que ce soit clair. Le jour où un Bamileke fuck up, je lui dis ça propre. Le jour où un quoi fuck up, je lui dis ça propre, comme j'ai l'habitude de faire. C'est pas une page pro tribu. Je ne suis pas, hein. Los Angabon était privé. Moi, quand j'avais tué une fois, je te bloque de ma page. Tu comprends? Parce que vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes habitées de la méchanceté. Il faut aller sur des pages tribales. Tu comprends, Los Anga? Voilà. Parce que hier, tu m'as vu ici en live. J'étais avec Betty, le Kamit, pour discuter du tribalisme. Où j'étais en train de l'accuser de cela. Voilà, c'est quand ça vous convient. Si vous êtes sur cette page pensant que c'est une page pro ou quoi, comme je suis un Guassensé, ça marche pas comme ça là. On peut pas construire. On peut pas construire un pays avec les idées comme ça là. Donc moi j'ai dit, si quelqu'un est sur la page, c'est parce que Dukamé c'est un quoi, il fout le camp. Si quelqu'un est sur la page, c'est parce que Dukamé supporte les Bamileke, il fout également le camp. Dukamé, c'est quelqu'un qui prône la République. C'est quelqu'un qui dénonce toute forme de discrimination. De par mes enfants qui... Parce que je ne saurais même être dans vos histoires de tribalisme même. Pourquoi? Parce que mes enfants, je vous le dis tous les jours. Déjà que moi-même, je suis de parents... Mes deux parents sont d'abord de deux tribus différentes. Voilà, mon père est Bakaka, ma mère est Bakossi. Et après, mes enfants ne vont même pas parler le patois. Donc, tout ce que je peux donner au Cameroun... Voilà, voilà les gens que moi je vais bloquer. Non, non, non. Je vous l'ai dit clairement. Je vous ai dit que le tribalisme est dans les deux sens. Que ce soit clair. Il y a des Bamileke qui sont tribalistes. Il y a des quoi qui sont tribalistes. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de connaître un cas de tribalisme, je vais le dénoncer en fait. Voilà. Et que je ne suis pas un sympathisant d'un camp. Je ne suis ni pro Bamileke, ni pro ou quoi. Je suis tout simplement pro-Cameroun, que ce soit clair. Parce que des petits frustrés sont sur ma page en train de croire que le jour où je vais dénoncer peut-être les Bamileke, ils vont dire du Camer, on met les cœurs, du Camer, on est les frères. Je ne suis pas le frère de la haine. Je ne suis pas le frère des diviseurs. Donc ne viens pas, je ne suis pas un sympathisant d'un camp de cette haine-là. Parce que quand je suis en train de fustiger les Bamileke qui font ça, les tribalistes qui n'aiment pas les Bamileke viennent apprécier. Et quand je suis en train de fustiger aujourd'hui, cette pourriture qui prend la haine, je vois comment ils sont sur ma part en train de me parler mal. On me parle pas mal sur ma part parce que je suis propre. Vous comprenez, hein? Voilà, cette saleté là, lorsque elle ouvrait les restaurants là-bas, ce sont les Bamileke qui mangent là-bas. Vous l'encouragez jamais, vous partez pas manger là-bas. D'accord? Voilà, vous venez la supporter simplement dans la haine. Il fallait l'encourager dans le commerce. Vous étiez combien à aller manger dans son restaurant? Hein? Comme les blogueuses là, combien de blogueuses et quand sont allées manger là-bas, dans son restaurant, allez l'encourager. Aujourd'hui, vous voulez l'envoyer dans la tombe. Hein? Vous voulez l'envoyer dans la tombe aujourd'hui, vous voulez tellement la pousser à haïr. Vous savez pas que la haine veut l'envoyer dans la tombe. Vous êtes aujourd'hui en train de vouloir l'envoyer mourir. Mais c'est pas possible ça. Elle, son restaurant là, c'est une femme qui cuisine bien. Vous êtes parti manger là-bas? Citez-moi les blogueurs et quand qui sont allés manger là-bas. Citez-moi les blogueurs et quand qui allaient manger là-bas. Vous voulez qu'on vous dise tous les Bamileke qui sont allés s'asseoir pour l'encourager là-bas? Elle a même l'un des Bamileke là, de ma soeur, qui est en Suisse, qu'elle a mangé, ça n'a rien donné. Vous voulez votre support des Ekang? C'est seulement la haine pour que il faut haïr. Nassis Baga était ici sur Internet, il était Ekang. Il a organisé la réunion des Ekang. Il y avait combien de Ekang pour le soutenir? Hein? Quel est le business qu'un Ekang a fait si on l'a soutenu? C'est pas possible ça. Donc, que les choses soient bien claires, ceux qui me suivent et qui me connaissent savent que je ne suis pas là. Que ce soit un blogueur, je n'ai même pas de parti pris avec un blogueur ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de que je supporte. Je supporte pas le faux. Je ne dois rien à personne sur Internet. D'accord? Écoutez-moi les gens comme ça, là, où c'est extrait. Et me dit quand on dit d'aller à l'école, mais c'est toi qui envoies l'argent à l'école. Toi, tu es là à l'école, tu fais des phrases sans ponctuation. On dit d'aller à l'école. Ton école, c'est ici que tu viens démontrer. C'est ici que tu viens démontrer que tu as été à l'école sur ma page. Je vais bloquer cette merde de Carole Ngono. Je te bloque sur ma page. Il faut aller sur la page du tribalisme là. Elle est même où? Dès que tu te bloques,
On vous parle, vous comprenez pas. L'autre vient me dire, on vous dit là, l'école, vous êtes des blogueurs. C'est toi qui me nourris? Tu nourris mes enfants? Je parle en ta langue là? C'est pas possible ça. Elle vient me demander donc tu es tribaliste. Tribaliste de quoi? Vous croyez que le Cameroun, c'est seulement vos bêtises là? Vous n'avez même aucun respect pour d'autres tribus au Cameroun. Vous n'avez aucun respect. Arrêtez ça. Moi, je l'insulte parce que ça me gave. Je l'insulte, mais très mal. Parce que ça a l'air de vous faire plaisir. Hein? Vous avez l'air d'être content. Vous êtes content de ce qu'elle fait. Ça vous fait plaisir. Les Karangonon mettent les cœurs. Ils mettent des trucs là-bas, ils sont contents. Mais moi, non. Karangonon, tu es parti manger chez la veuve joyeuse. Tu es parti t'asseoir manger là-bas. Elles sont allées dans une histoire. L'histoire est terminée, mais qu'elle ferme sa gueule. Mais c'est pas possible ça, les gars. C'est pas possible. Quand un écran a un business qui soutient l'écran, hein? Mais vous, disons-nous la vérité, un écran a soutenu quel écran? Voilà là-bas à Paris, il y a le restaurant de, comment il s'appelle celle-là? Mich. Vous savez qui fait la force de Mich? La femme écran qui a le restaurant là-bas à Paris. Hein? Qui fait la force de Mich? Vous pensez que Mich peut insulter les Bamilikés? Je vous dis qu'à Paris, là, le restaurant de Mich qui est à Macadé Poissonnier, là. Les qui lui font la recette là-bas? C'est les camps. Vous n'aidez personne. C'est encore mieux pour vous. Vous n'avez pas fait le tribalisme. C'est encore mieux pour vous parce que vous ne soutenez pas. Hein? Vous ne soutenez personne. Et les camps, ils mangent seuls. Dès qu'il peut recevoir l'argent du gouvernement, il a l'argent là, il n'aide personne. Vous n'aidez personne. Tous les camps qui ont fait les business ici, même les histoires des patriotes là, vous discutez quoi? L'argent, vous cherchez l'argent à gauche, à droite du gouvernement. Hein? Quelle est l'activité? Quelle est l'activité que toutes ces filles tribalistes et camps qui sont sur la toile là? Vous savez que moi, je chicote partout. Hein? Toutes ces filles qui sont tribalistes, quelle est l'activité commerciale qu'elles ont sur la toile? Qui encourage ça? Berceau d'Afrique est une tribaliste là. Qui achète ces... Les camps achètent ces choses? Berceau d'Afrique, c'est une grosse tribaliste. Elle, la femme là, qui achète ces trucs? Tu as vu un écran, elle est partie l'encourager. Vous n'encouragez pas. Hein? Vous n'encouragez personne. Gondo, tu as acheté les habits de Berceau d'Afrique? Jusqu'à quelqu'un même, le courage veut me mettre, quelqu'un veut mettre même les têtes de moi. Arrêtez vos bêtises, vous n'encouragez personne. On a tous intérêt de s'entendre, de se respecter pour faire fonctionner nos activités. Lorsqu'un Camerounais ouvre son commerce, il a besoin que tous les Camerounais achètent pour l'encourager. Les histoires des tribus n'avancent pas dans le business. D'accord? Ça n'avance personne. Ce sont les médiocres qui veulent promouvoir le tribalisme, ceux qui n'ont rien fait. Un commerçant. Voilà Mich. Je vous ai donné un restaurant Mich. Mich qui est là-bas à Paris avec son restaurant, c'est une écran. Son restaurant marche. Pourquoi? Qui sont les clients de Mich? Quand j'entends les vauriens dire qu'il faut qu'on sépare les Bamis d'un côté. Hey, si on sépare les Bamis d'un côté et l'Enkwa d'un côté là, les activités d'Enkwa vont tomber parce que l'Enkwa ne connaît pas encourager ses frères. Hein? Quand j'ai créé ma marque de vêtements ici sur Internet là, qui a acheté ça? Ma marque de vêtements DKM là. Les qui ont voulu me faire tomber. Ce n'est pas cette saleté de veuve joyeuse qui a déchiré. Ce n'est pas cette saleté de veuve joyeuse qui a pris le courage de déchirer mes vêtements en direct. Hein? Ce n'est pas cette saleté qui a pris mon habit, mon truc, ma marque de vêtements. Elle a dénigré mes vêtements plus que tout. Sur la toile. Mais qui a acheté ça? Vous croyez vraiment que je peux me mettre sur Internet et suivre les barbecues? Même un commerçant ne peut pas... Un commerçant, quelqu'un qui fait du commerce ne peut pas tenir de tels propos. Ceux qui encouragent le tribalisme sont des paresseux. Ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont rien. Hein? Ceux qui encouragent le tribalisme, ils n'ont rien. Quelqu'un qui a une activité, quelqu'un qui fait quelque chose ne peut pas. Ça va le clouer. La haine ne peut pas nous avancer. Si tu es quelqu'un qui a construit des immeubles au Cameroun,
Si tu veux que les locataires de ton village, eh bien, tu les auras pas. Non, Alicia Cayen, ça c'est une vérité, ce n'est pas tribal, ce n'est pas méchant, et tu sais que c'est vrai, Alicia Cayen, il faut arrêter, les Ikans n'aident pas. Voilà. Même les activités des Ikans, va la berceau d'Afrique qui est là-bas, elle est sur la toile. Elle prend le tribalisme là. Combien de tribalistes ont déjà acheté ces habits? Il faut arrêter, on connaît la vérité. Tu parles Ikans, Ikans, quand on parle des Ikans, moi je suis quoi? Quelqu'un dit, tu n'es pas devenu, regarde-moi des tribalistes, franchement, quand je vous lis... Je gerbe, c'est-à-dire que vous, quand je vous lis, ça me fait. Vous êtes nombreux à écrire des bêtises là. Mais allez soutenir les gens. Elle me dit que tu n'es pas devenu soit riche avec ta soi-disant marque. Tu as amené ça où? Parce que tu avais acheté combien? Tu n'as même pas honte. Où c'est Uber ou Nambélé? Voilà des gens comme ça là que des gros chop brewpot. Où c'est Uber ou Nambélé? Il est en train de me poser la question de savoir que j'ai amené ma marque où. Tu avais acheté ça un jour? Je suis en train de dire que je suis une quoi? Parce que quand on parle d'une quoi, vous pensez que c'est quand? Comprenez? Parce que même entre les quoi, vous faites aussi le tribalisme même. C'est-à-dire qu'un doigt là n'est pas un écan. Un écan, comme si c'était, je sais pas. Quand les juifs disent qu'ils sont la race suprême, vous aussi, vous avez sorti qu'il y a écan, il y a un beau, il y a tout ça. Hein? Donc, vous avez ramené le tribalisme là, même au niveau d'un quoi. Tu penses que quand les tribalistes bamileke, ceux qui sont bamileke qui insultent l'un quoi là, ils insultent, c'est pas l'écan. Ils disent que l'un quoi. Ils nous mélangent les doigts là, tout le monde dedans. Voilà, l'homme quoi n'aide pas son frère. Je suis quoi et j'ai dit, il n'aide pas son frère. Voilà, il n'y a personne de mon village qui a un jour acheté un de mes vêtements. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas encore bloqué cette femme-là. Cette femme de Karun Gono. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas bloqué. Toi là, sur mon live. Voilà, il faut aller suivre, va encourager ta soeur à devenir folle. Va encourager ta soeur. Quand elle est sur les que tu mets les cœurs là-bas. Tu comprends? La réalité, c'est quoi? C'est que... La réalité, c'est que... Il ne faut pas généraliser. Voilà. Ce n'est pas parce que tu auras des problèmes peut-être avec une personne que tu vas généraliser. Même, c'est pas parce que tu vas trouver un blanc qui est raciste et croit que tous les blancs sont racistes. Il faut mettre ça dans vos têtes, dans vos sales têtes, qu'il ne faut pas généraliser. Mettez ça dans vos têtes. Parce que le problème de certaines personnes, c'est que une femme qui a été barrée par un gars bamiléké, elle va venir accuser que, oh, les bamilékés ont fait que, ma chérie, c'est le gars là qui t'a barré, c'est pas tout le monde. Ne venez pas mettre vos frustrations sur toutes les ethnies. Vice versa. Voilà. Donc, certaines personnes ont mis dans leur tête que non, nous les Ikans, on est trop comme ça. Mais foutez le camp, gars. Foutez le camp. Hein? Un jeune qui a tous ses sens, un jeune qui réfléchit, nous devons être jeunes Camerounais, nous devons réfléchir comment est-ce qu'on peut s'en sortir, comment on peut s'entraider. Hein? Vous êtes encore à regarder la tribu de quelqu'un. Il y a les femmes qui regardent les tribus pour sortir avec quelqu'un. Il y a les hommes qui regardent les tribus pour aimer une femme. Mais il y a des cons partout, les gars. Que ce soit chez les Bamileke, il y a des cons. C'est même vrai qu'il faut même arrêter ce débat-là. Hein? Il faut arrêter ce débat. Le Cameroun, ce n'est pas seulement ça. Voilà, comme Florence Yemé dit. Donc, ceux qui pensent que quand on dit que l'en quoi, on dit que c'est manque les cons. Coco Tama, vous ne comprenez pas. Il y a des choses que je dis pour que les gens changent. Lorsque je dis que l'enquoi n'aide pas, l'enquoi. Parce que peut-être quand on dit quoi, vous pensez que c'est quand. Et pas même il y a les gens de chez nous. Hein? Lorsque on dit que l'enquoi n'aime pas aider son frère, ce n'est pas faux. L'enquoi n'aide pas son frère. L'enquoi est jaloux. C'est quelqu'un qui veut que son frère tombe. Même le milliardaire Amongo Belinga a dit ça. Hein? Ce sont les propos de M. Belinga. Hein? Bah oui, les camps, on vous dit que les camps, ce n'est pas seulement les quoi. Mon frère, foutez le camp, les camps, c'est les deux. Quand on dit que les quoi, c'est les doigts là, c'est les tout ça. C'est les bafias, c'est tout. Mais vous, franchement. Mais je regarde sur vous, hein.
Mais vous avez fini avec les doigts là. Il n'y a pas les doigts là dans les. Quand on dit quoi là, mais je voudrais que quand le. Quand on dit qu'un quoi, ce n'est pas seulement les camps. Foutez le camp. Arrêtez de vous croire supérieur aux autres tribus, hein. Parce que vous avez une suprématie là, mais c'est un truc de malade. Quand on dit qu'un quoi, on dit quoi? L'inkwa, c'est les doigts là, c'est les bakaka, c'est les bakosi, c'est tout. On dit quoi? Ce n'est pas seulement les kang. Donc ne mettez pas ça sur vous. Hein? Coco Tama, aujourd'hui c'est spécial. Ce que je fais aujourd'hui là, c'est un coup de gueule. Hein? Voilà, je parle d'un quoi. Moi, mais je suis un quoi. Je suis de mon village. L'inkwa n'aime pas aider son frère. Il est seulement jaloux. L'inkwa, dès qu'il a l'argent, il piétine ses frères. C'est ce qui nous caractérise. En tant qu'inkwa, je le dis. Vous n'encouragez personne. Combien de gangs, quoi? Narcisse Baga était ici, là. Il a tout fait. Il a même quitté votre monde. Hein? Putain. L'inkwa. Quand on parle même de maltraiter, quand vous sortez même avec vos propres soeurs, vous faites comment? Hein? Quand un gars est canso avec sa soeur, il fait comment? Il maltraite sa soeur. Moi, je vais vous dire, je vous dis ce que vous faites. Putain. Regardez ce qui se passe dans le milieu du Bikuti. Regardez ce qui se passe dans le milieu du Bikuti. Comme dit Angela Anke. Même l'homme quoi est quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui. Hein? Même mes amis aujourd'hui qui sont des amis de classe qui sont dans le gouvernement, qui sont machin là et tout. Est-ce qu'ils me saluent même? Hein? Non, non. Mon frère, moi j'arrête même le direct là. Je m'en vais attendre mon match. Putain. C'est-à-dire que les gangs, vous les gangs de Facebook, vous avez cru que quand on dit que l'inkwa, on dit seulement les gangs, hein. L'inkwa, quand l'homme Bamileke qui insulte, l'homme lui dit que l'inkwa. L'inkwa, c'est ceux qui sont pas Bamileke. Donc arrêtez de prendre ça sur vous. Quand moi je parle d'inkwa, je parle des bakaka. Qui sont des paresseux. Oui, c'est vrai. Que beaucoup d'inkwa sont des paresseux. Vous n'aimez pas travailler. Vous n'aimez pas le travail. Vous aimez seulement manger la main des femmes. La plupart des gens qui ont abandonné les femmes avec les enfants ici, c'est les gars d'où? Hein? Quand tu vois tous les filles qui sont à Yaoundé là, que j'ai l'enfant, il n'est pas le père. Le père est d'où? Il est de quel village? Les champions pour abandonner les femmes avec les enfants. Les champions qui vivent avec les, qui accouchent, ils travaillent même pas. Hein? Ici à Paris, les hommes qui sont, les jeunes, la jeunesse qui ne font rien, c'est quelle jeunesse? Faut arrêter ça. Vous pensez que ce que je fais là maintenant, c'est, je vous dis la vérité, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Hein? La plupart des gens ici, leur vie n'a pas de sens. Ils sont de quel? Ils sont d'où? C'est l'inkwa. Voilà. Ceux qui sont ici en train de prôner le tribalisme, qui n'ont rien fait de leur vie là, c'est les qui? C'est les qui? Pourquoi vous voulez tout sortir les filles Bamileke? Pourquoi vous, l'inkwa, vous voulez tout sortir les filles Bamileke? Vous voulez sortir les filles Bamileke parce que vous savez que la fille Bamileke, c'est pas... C'est pas une femme qui c'est une femme avec laquelle tu peux progresser. Vous savez pourquoi beaucoup de filles aujourd'hui n'ont pas de gars? Pourquoi ces filles qui sont là, le tribalisme les a pris dans la tête, elles n'ont pas de gars, elles sont avec les enfants, à gauche, à droite, à pomper les enfants partout. Oui! Hein? Ces filles avec les enfants à gauche, à droite, pas de mari. Quand on parle même de la pimenterie sur Facebook là, les championnes c'est qui? Quand on parle de la pimenterie, là, les choses qu'on vend son corps là sur Internet, là, l'équipe sont en train de prôner ça. Là. Je vous dis ça. Voilà, le Cameroun ne peut pas avancer avec les gens qui ont les esprits de paresseux, avec les gens qui ont les esprits de sorcellerie, de division, avec les femmes qui sont là à accoucher, comme si leur travail sur la terre était seulement d'accoucher. Femmes, elles travaillent, elles font des affaires. Toutes les filles qui font le tribalisme sur Internet, là, n'ont aucune vie, elles n'ont pas de vie. Jonglage de ça. C'est des jongleuses. Voilà. Les filles qui se viennent là-haut, les bamis, c'est bami. Tu vois des filles qui se lèvent à 5 heures pour aller travailler depuis 20 ans, ben. À partir d'un certain âge. Junior, tu ne vas rien me faire. Tu comprends, non? Tu viens me dire, pèse, tu es abonné sur ma page, tu commentes dans mes lives, tu viens me dire que fais, pèse tes mots. Tu es qui?
Il dit que tu es qui? Viens encore, écris. Si tu, moi, je te mets au défi, écris encore ce que tu viens d'écrire, que fais attention. Viens encore écrire dans mon live, que fais attention. Je te bloque dans mon live, t'envoie, je te nique ta mère. Tu es fou. Tu viens dans le live, si tu n'es pas content de ce que j'ai dit, tu dégages. Pèse tes mots. Tu es qui? C'est toi qui me donne l'air que je respire. Tu es abonné sur ma page. Je fais mon direct. Le direct que tu n'as même pas déjà partagé. Et tu viens me raconter les bas, pèse tes mots. Tu es qui? Écris encore que pèse tes mots. Merde. Il y a des vérités. La haine, votre haine, c'est parce que vous n'aimez pas le travail. Moi, je vous dis ça pour que vous travaillez. Hein? Comment tu peux faire 20 ans en Europe? Tu fais 25 ans en Europe, tu es toujours là, tu ne sais pas là où ta vie n'a pas de sens. Les qui sont concernés par ça, par cette paresse-là? Quand on vous dit ça, vous pensez que c'est la haine? Hein? Ici en Europe, les qui ont fait 20 ans, 25 ans, ils n'ont rien. Les qui? Il vient me dire que quand on dit la paresse là, la paresse en bing. Regardez cette veuve là, cette femme là, c'est quel genre de vie qu'elle a là? Tu clashes l'inquoi et tu dis que tu es tribaliste. Tu es tellement bête, Carole Ngono. Parce que ça, tu sais que c'est la vérité que j'ai dit. Tu es là, Carole Ngono. Tu as combien d'enfants? Les papas sont où? Toi, Carole Ngono, qui vient écrire tes conneries là. Vous aimez quand on insulte les Bamiyeki. Mais on vous dit, je vous mets vos vérités en place. Et je suis quoi? Comme toi. D'accord? Tu es une femme là, frustrée. Avec la haine sur Internet que les Bamiyeki ont fait. Une femme Bamiyeki de ton âge, elle a deux maisons au Cameroun. Voilà. Parce qu'on va vous dire ces vérités là. Peut-être que vous allez un peu changer. Hein? Vous êtes là tous des vendeuses de piments. Vous êtes les seuls qui vont. Vous vendez le piment, ça vous amène où? La veuve a vendu ça, elle est où? Vous voulez l'envoyer à la dépression? Hein? Que c'est l'inquoi qui prend la position? Mais qui prend la position? Les qui encourage la position ici là? René Star de Lille, elle est d'où? Vous n'aimez pas la vérité. Hein? Allez voir toutes les filles là qui ont les enfants là. Les pères ne sont pas là. Il y a les tribus au Cameroun que les hommes, c'est des voyous. Ils enseignent les femmes, ils abandonnent. À vous de les nommer. Hein? Oui, il y a les tribus qui sont des irresponsables. Les hommes qui sont spécialisés, les hommes, c'est des irresponsables. Voilà. Tu arrives dans les villes là, tu vas voir que toutes les filles ont les enfants, il n'y a pas le père. La spécialité des hommes des tribus là, c'est enceinter les femmes abandonnées. Ça, c'est les coups de gueule. Je vous envoie ça dans la tête. C'est-à-dire que je vous envoie ça dans les narines. Voilà. Et la femme qui a l'enfant avec un père, elle a écrit, c'est que j'ai l'enfant avec un père. Vous avez tous les enfants, il n'y a pas le père. Parce que vos hommes, là, c'est des irresponsables. C'est des irresponsables. Hein? Quand au lieu de venir insulter même les tribus là. Au lieu de venir insulter. Au lieu de venir insulter les tribus là, allez revoir vos comportements dans vos tribus. Revoyez vos comportements. Hein? Parce que quand on parle des hommes de vos tribus là, c'est des souffreteux. Quand on parle des hommes, les hommes qui sont toujours en train d'attendre que le gouvernement... Quand on a regardé, Seigneur Jésus, je peux casser même mon téléphone. Les hommes qui sont toujours en train d'attendre le choco. Hein? Merci beaucoup à Dandler Yolé. Hein? Merci beaucoup. Moi, je vous dis que... Allez regarder la femme. Allez regardez les femmes qui viennent insulter que les Bamiyeki là, les femmes là, la catégorie des femmes là, les pauvres filles comme ça là qui sont en Europe, leur vie n'a pas de sens là. Les petits ménagers, les aides malades là, tout 20 ans en bain, tu es là, tu n'as même pas 10 000 euros quelque part. Tu veux mettre ta frustration. Hein? Tu veux mettre ta frustration sur une tribu. Les gens ils travaillent, les gens économisent. Moi je vais vous dire une vérité hein, qui va vous énerver là même. Vous voyez un peu. Vous avez vu pourquoi les Ivoiriens, pourquoi? Regardez pourquoi les célébrités camerounaises, là, les hommes camerounais vont prendre les étrangers. Vous ne posez pas des questions. Demandez-vous pourquoi. Voilà, Ténor, il allait prendre une Ivoirienne. Eto, une Ivoirienne. Il y a aussi, comment il s'appelle encore, tous ces footballeurs camerounais, la plupart ne sont pas des camerounaises. Parce que
Il y a des... Parce que il y a les gars qui ont contaminé, les gars de certaines tribus là, qui ont contaminé tous les Camerounais à vouloir porter les sacs Chanel, à vouloir mettre les rouges à lèvres. Hein? Regardez, regardez Eunice, où c'est Eunice, je donne l'anga de ténor là. Regardez comment elle se comporte. Elle est là, elle n'a pas besoin de sacs chers. Elle n'a pas besoin de maquillage, des gros trucs. Elle est simple. Elle est... Regardez pourquoi il a fait le choix. Ténor, regardez le choix de Sanga. Comment elle se comporte. Hein? Depuis que la fille avait Ténor, vous ne l'avez pas compris qu'elle a trompé. Samuel Eto'o était avec une fille camerounaise là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne le trompait pas. Tous les millions que Samuel Eto'o donnait à l'Angala. Tu entendais que Fali pour parler en Binda, tel en Binda, tel en Binda. Même l'argent ne lui suffisait pas. Les mamies cuisses légères, faut les entendre. Hein? Tu les donnes même l'argent, ça ne suffit pas. Eto'o était avec une Camerounaise. La Camerounaise, elle faisait quoi? Celle que vous connaissez là, elle faisait quoi? Depuis que Samuel Eto'o est avec Georgette, vous avez écouté une seule fois une tromperie? Depuis que Eto'o sort avec l'Ivoirien, là, vous avez appris une fois. Vous êtes les mamies, les femmes que l'homme, la tromperie, vous, c'est un truc de malade. Voilà. Donc, avant de venir insulter les Bamileke, là, il faut voir vos comportements. Vous êtes des cuisses légères. Vous êtes des femmes qu'on couille, comme Alice dit qu'on vous couille partout, mais c'est vrai. Quand je vous dis que le saumon même de la bêtise sur Facebook, moi, ce qui m'a permis d'avancer dans la vie, c'est parce que je n'ai jamais accusé des gens. Quand j'ai eu mes échecs en bain, je me suis remis moi-même en cause. Qu'il faut que je fasse ça pour m'en sortir. C'est ça que vous ne faites pas. Hein? Aujourd'hui, j'ai vu les gens me demander, tu as pris l'argent ou pour construire? Tu as pris l'argent ou pour construire? Pendant que mes amis, je suis... Voilà où c'est un samedi. Moi, je ne suis pas en boîte de nuit. Hein? Moi, je suis dans mon quartier. Pendant que mes amis sont dans les bois de nuit en train de boire les champagnes, moi je sors pas, frère. Je suis chez moi, je tape mon direct tranquillement, après je m'en vais attendre mon match de boss. Et quand ceux qui sont en train de dépenser dans les bars là, ils vont dire que tu construis comment? Mon frère, moi je gagne pas les millions, le peu que je gagne, j'épargne plus. Voilà. Donc moi je viens de vous dire que gars, changez les mentalités. Je vais revenir même sur le direct de pourquoi est-ce que les Camerounais, les célébrités camerounaises préfèrent les femmes de d'autres endroits. Il y a beaucoup, hein. Clinton Jay, il n'est pas avec une Camerounaise. Il y a, la plupart, même les lions que vous voyez là, ne sont pas avec des Camerounaises. Hein? La plupart, pourquoi ils ne sont pas avec des Camerounaises? Parce que certaines filles ont fait qu'on confonde, on confond toutes les Camerounaises avec elles. Pourtant, il y a des très bonnes femmes dans certaines tribus. Il y a des bonnes. Tu vas au nord Cameroun, tu vas trouver des bonnes filles. Au nord, dans la Damawa, partout, certaines régions du Cameroun, il y a des bonnes femmes. Voilà moi les bêtises comme ça là. Les choses comme ça là même. Les gens que je déteste même voir dans mes lives là. Regarde-moi les gens comme ça là. On va toujours vous abandonner pour aller prendre les femmes ivoiriennes. On va toujours vous abandonner pour aller prendre les femmes. Clinton Jay, sa femme, elle est où? C'est dominicaine ou c'est quoi là? Hein? Tous ces joueurs là, ils n'ont pas le cœur sur vous. Regarde-moi des minas. Putain. Je vous fais tellement mal que c'est pourquoi moi je m'en fous même que vous partagez pas mon live. Hein. Parce que mon live c'est le Doliprane. Oui, mon live c'est le Doliprane. Vous ne pouvez pas partager ça comme ça. Allez partager la sorcellerie de. Allez partager les directs pervers de l'autre là. Moi je vous dis, il faut que la bande tribale. Voilà. La bande de tribalistes. Hein, la bande des gens qui sont tribalistes là. Revoyez votre comportement. Parce que vous êtes en euros, vous êtes des paresseux.
Quand on parle même Aline est là. Regardez la vie d'Aline. C'est la vie de quelqu'un qui est en Europe depuis ça. Elle est de quel village? Regardez la veuve. Regardons, allons regarder. Hein? Les gens qui disent qu'ils ont réussi. En Europe, quand tu as réussi, tu te lèves plus à 5 heures, tu as ton entreprise. Voilà. Voilà les footballeurs là, ils vous laissent. Footballeurs, ils vous laissent. Ils vous laissent. Pour aller prendre les femmes ailleurs. Même Ténor. Ténor sortait avec une gala, il a eu l'enfant avec l'angala. Pourquoi il a laissé la fille là pour aller épouser Ebis? Parce que l'angala, vous êtes des belles femmes. Hein? La femme camerounaise est belle. La femme camerounaise est belle. Mais pourquoi vous laisse toutes les stars camerounaises là? Ils vous fuient. Et j'ai envie de vous dire que même les gens qui ont épousé certaines Camerounaises là, parce que vous avez la tromperie, vous trompez trop, vous avez un problème d'infidélité. Vous êtes malade d'infidélité. Hein? Depuis que le 9 là, il a sa femme ivoirienne là, jamais trompé. Vous n'avez jamais écouté sa femme, elle parle. Il était avec une Camerounaise là. Fille là, mon Dieu. Les tromperies de ça. Hein? Dès qu'il a essayé, c'était sa mort. De sa mort. On vous dit que les mariages, une femme, tu épouses un homme. On vient t'insulter aujourd'hui que tu as épousé le gars. Il n'y avait pas sa famille. Il y avait même, tu fais un mariage avec un homme. Le gars est là avec ses amis, il n'y a pas la famille. Regardez la honte qu'on fout, on fout un pays. Oh, dis-moi ces gens. Vous, les commentaires. Faut aller porter plainte.
Ouais, ce sera fait. Donc, les gars. Attends. Non, c'est à Bagdad. C'est lui qui m'explique. La personne qui m'explique de me faire la demande. C'est lui qui m'explique, il fait la demande, il m'explique. La ligne est ouverte. Qui veut parler. Camerounais, vous êtes quand même terrible. Il vous a dit que. Vous avez d'avoir un problème de communication, vous ne savez même pas communiquer. Ah. Donc, c'est ici là que Junior, ou c'est Junior quoi là, il vient draguer les gens. Si quelqu'un m'explique, il vient. Quand il ne voulait pas expliquer, je vais finir avec. Mais ils ont quoi? Ils ont quoi? Travailler. Ils ont quoi? Travailler. Voilà, arrêtez la jalousie, parce que votre tribalisme, c'est la jalousie. C'est votre travail. Et quoi, il faut travailler. Parangono, tu as le cœur, viens parler. Viens, tu parles ici, là. Voilà, tu n'as pas le cœur. Tu vas voir ce monde derrière. Et que Samuel est tout. Il a voulu aimer une Camerounaise. Samuel, tu voulais aimer une Camerounaise, mon frère. Tanga lui a montré le feu. Mais, le gars a dit que Bétail n'est pas en Côte d'Ivoire. Ténor voulait aimer une Camerounaise. Ténor a vu le feu. Il y a encore qui là? Comment on appelle le joueur là-même? Il y a encore beaucoup de footballeurs là qui voulaient aimer les Camerounaises. Dès qu'ils ont vu le feu, ils ont dit jamais. Les femmes que dès que tu les poses, comment t'es trompée? En moins de 2 mois, elles te trompent. Tu lui donnes même tout l'argent du monde, elles te trompent. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici à Paris? À Paris, là, on n'a pas vu. En particulier, c'est plus être une French, ou French, quoi. Et quel est quoi?
Quand vous voulez défier une tribu, vous vous mettez au travail. Quand vous êtes énervé contre une tribu qui travaille, vous travaillez. Parce que vous êtes une part, c'est pas facile. Peut-être que vous croyez que c'est au Cameroun, même ici à Paris. Les jeunes Gabamékés là, ce qu'ils sont en train de faire. Même à Paris, ici à Paris, ce que les Bamékés font. On est derrière. Vous comprenez, non? On voulait, quand les gens sont devant, il faut travailler tout simplement pour être devant. Pour les petits ou les Bamékés, les Bamékés. Aider l'Angola à se soigner là. La banque m'avait dit. Non mais moi je vous parle sérieusement. On est vraiment ici. Oui. Je parle pas de... On va faire un live pour attendre le fais ça sur mon iPhone 13. Je pense que je vais lancer un live sur ma page. Il y a un live, ça peut prendre deux personnes. On va discuter ensemble. Je vais couper ici, je vais lancer sur du caméra. Comme ça, on pourra discuter tous ensemble. Attendre le combat. Oui, gars, comment tu dans l'enjoy? Ouais, tu attends la box. Ça a commencé. Mais ça passe sur quoi? Envoie-moi le lien. Ah, alors que je voulais qu'on soit en live pour attendre le combat. Mais en live sur du caméra, comme ça on peut prendre deux personnes en live. Ouais. On va aller sur du caméra. On va être connecté là-bas.